Bien, mais écoutez, on est au Café de la Bourse et on a décidé de réunir les premiers cafés d'agglo. Alors, qu'est-ce que c'est les cafés d'agglo? Le café d'agglo, c'est un lieu de discussion, de concertation que j'ai souhaité organiser assez régulièrement. Il y en aura 5-6 par an, dont une fois sur deux à Nîmes et une fois sur deux dans d'autres communes, pour que nos concitoyens, les habitants de l'agglomération, puissent venir échanger avec moi ou avec d'autres au niveau de la politique de l'agglomération. C'est une formule qui me plaît assez parce qu'on a déjà organisé les états généraux des transports. On a Agglo Forum, c'est une structure donc, où il y a 104 concitoyens qui sont égaux à 104 élus, représentant les mêmes communes, d'ailleurs de la même façon les mêmes communes, qui se réunissent à peu près tous les deux mois et qui travaillent sur des sujets des compétences de l'agglo. Voilà. Donc ça j'aime bien. Et ensuite, je me suis rendu compte, notamment au niveau des transports, que le fait de pouvoir discuter avec les usagers, ils avaient très souvent les meilleures idées possibles. Et donc, c'est intéressant de pouvoir se nourrir de ceci. C'est ma façon de voir les choses. C'est comme ça qu'on pilote les choses à l'agglo. C'est-à-dire, on essaie de concerter. On n'a pas la science infuse. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir échanger.